Bonjour à tous et à toutes, ici TheZeter, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Heart of Iron 4. Alors on continue tranquillement à essayer de pousser un petit peu sur les Italiens, essayer de prendre leur fort, ça serait bien avantageux pour nous. Et ensuite on verra comment ça va se passer, hein, tout simplement. Pour l'instant ils disent que c'est correct, pour l'instant ils disent qu'on devrait être capable de le faire. Contre l'Allemagne, on tient, on va le dire comme ça, on tient. Rien de plus, rien de moins, hein. Ils ont beaucoup d'unités sur cette frontière. Nous, on n'a pas grand chose malheureusement et on n'a aucun agent de ce côté pour nous aider puisqu'ils se sont tous fait abattre. Voilà, donc on doit leur en abattre quelques-uns de temps en temps, mais c'est tout. Sinon, si on regarde logistique, on peut voir que les armes descendent encore. Voilà, pas très rapidement, mais elles descendent. Sinon on est en train de faire beaucoup d'unités partout. Il faut recruter. Production, on continue, il nous faut plus d'usines. Construction, on est encore en train de réparer des trucs, mais ensuite on passe à plus d'installations antiaériennes, quelques autres usines militaires, et voilà, ensuite quelques raffineries de pétrole, quelques infrastructures, même que juste annuler ces infrastructures. Je pense plus qu'elle soit utile. J'ai enlevé, voilà, un truc d'huile synthétique et pas de calais. Je sais même pas si je les veux encore cela. Parce qu'en tant que tel, on n'arrive pas à se battre pour l'instant. C'est quand même beaucoup d'argent à dépenser pour ça. Voilà. Donc ça sera bon. Et ceux-là peuvent monter en haut aussi. Voilà. Ça c'est bon. En Asie, comment ça se passe? Ils ont pas mal renforcé la zone, on va dire. Oh, ils attaquent même. Ils attaquent. Ce qui n'est pas très gentil. Voilà. On va se le dire. Mode d'affectation des divisions. Si vous voulez vous replacer. Au moins le Raj ici. Non, ça c'est voilà. Raj britannique. Qui a peut-être un peu poussé. Je suis même pas sûr. Peut-être. Je sais pas exactement. Ici. Alors on est en train de se mettre en position pour pousser sur l'Italie. Ça sera bien. J'ai fait ici une unité qui a pour but de surveiller tout ça pour tout ce qui est résistance et occupation. Voilà. D'ailleurs, je sais même plus où ça se gère. Mais on a normalement une place où on peut gérer nos pays conquis si on veut. J'ai aucune idée où ça se trouve. C'est une bonne petite question. Gérer les territoires occupés. Ah oui, tout en bas. Ok. Alors, Italie. Si on est très modéré, on aura très peu. Effectifs locaux, moins 100%. Coût d'occupation, plus 0,04. Ici, augmentation de la résistance, moins 20. Ressources locales, moins 10. Effectifs locaux, moins 90%. Moins 80%. Donc, on perd des usines ou on perd le monde. Il ne doit pas y avoir grande usine. Donc on va perdre les usines et prendre plus de monde. Voilà. On va se dire ça comme ça. Ça ressemble à ça. Ok. Ok, ok. Bon. On va faire ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ici, est-ce qu'on arrive à pousser tranquillement? J'ai l'impression qu'on va peut-être réussir à prendre Gênes. Et ça serait bien. Ça serait un tournant dans la bataille parce qu'il perdrait ce port de ravitaillement. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien. Continue à pousser, voilà. Ici, ça a l'air un petit peu plus dur à pousser, mais c'est correct. De ce côté-là, ils ont des troupes italiennes. Ok, pourquoi pas. Mais de toute façon, on pousse pas de ce côté, donc c'est pas très grave. Et voilà, tranquillement. Tranquillement, on va les avoir. Hein. Ils vont finir par manquer de renforcement. Et ils vont tomber. Voilà, on a pris Gênes. C'est la victoire de ce côté-là. Ils vont perdre leur ravitaillement très rapidement, je pense. Voilà. Contrôle des provinces. Il y a très peu d'entrées. Là, c'est dans le jaune. Ok, donc on va voir comment ça se passe encore. Là, il y a un petit peu de ravitaillement qui passe par ici. Parce qu'ils peuvent, bien entendu, oui, ça peut passer par là, le ravitaillement aussi, malheureusement. Donc, il faut encore couper les ports. Donc, cela, on va leur dire de monter jusqu'ici. On va peut-être laisser quand même une unité en arrière.
Voilà. Si on pouvait les coincer à Milan, ça serait parfait. Ok. Unité tank. Continue à pousser, on a confiance en toi. Il va nous falloir plus d'unités de ce côté-là. Recrutement et déploiement. Cela on peut pas les demander, cela on peut pas les demander. Ils sont à 19%, donc dans quelques secondes on pourra les demander. Canon anti-char amélioré, anti-aérien plutôt. Qu'est-ce qu'on améliore maintenant? L'artillerie, pourquoi pas. Voilà, ça c'est bon. Recrutement et déploiement, voilà, là on peut les demander. Ceux-là, il manque beaucoup trop d'équipement, on peut pas. Marine, on peut pas non plus. Brigade coloniale, ça on peut pas, ça on peut pas, ça on peut pas, ok. On va essayer de faire pour ça. Réserve réduite, oui je sais. On commence à manquer d'hommes encore une fois. Bientôt il faudra les réaugmenter, que voulez-vous, on n'a pas trop le choix. Alors, tu continues à pousser par là. Je veux que vous poussiez sur ce front. Si on peut les encercler, ça serait magnifique. Si on peut réussir à les encercler, on va tuer tout ça. Ça serait parfait. Voilà, continue à pousser. Ils se replient. Il n'y a personne pour nous bloquer. Là, il y en a un qui est arrivé. Hop. Je pense qu'on peut réussir. Là, l'Italie est en train de tomber. On peut voir le ravitaillement qui est en train de descendre en continu. Voilà, de ce côté-là, on arrive même à pousser un petit peu. Si c'est pas beau. Allez, tout le monde, attaquez là. Combien on a de troupes ici? On a deux, juste une brigade de chars. C'est pas ça qui va faire l'effet. Il faut espérer. Si on peut prendre ça aussi, ça va. Hein. Si on peut les coincer, coincer encore tout ça, c'est un petit plaisir aussi. Bon, on verra comment ça va se passer. Allez, 100%, on prend la province. Bon, là, ça va être une province un peu plus dure à prendre sur le coup. Voilà. Oh, on a réussi à en encercler quelques-unes. Voilà, déjà 5-6 unités d'encercler. Voilà. Si on peut faire ça comme ça, voilà. Ça ferait plaisir. Voilà, les encercler par la rivière. Ensuite, on fera le reste au fur et à mesure. De toute façon, on a d'autres unités qui arrivent là, un petit peu partout. Voilà. Un beau groupe de nettoyer. Tout ça même. Vous allez ici et comme ça. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bien pousser sur cette autre rive. Malheureusement, ils ont vraiment... Voilà. Et en tout cas, ils avaient l'avantage quand ils étaient là de se combattre de l'autre côté d'une grosse rivière. C'était un gros avantage. C'est pour ça que c'est dur d'attaquer Milan. Voilà, il y a des rivières partout. En plus, ils ont le bonus de ville. C'est pas génial. Donc là, normalement, si on regarde, nous, voilà, sur nos pertes augmentent. Mais l'Italie, ses pertes... Vont, là on regarde 464, ils ont déjà perdu quelques dizaines de milliers. Peut-être qu'on va réussir à couper encore plus. Allez, 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 il faut arriver en premier. Voilà, ça c'est bon. Il faut continuer à pousser tout droit là. Allez, pousser là. Si on peut encercler tout ça, c'est chaque unité on compte à peu près 10 000 hommes. Donc ça fait pas mal de personnes à tuer. Voilà. Ça fait un beau nettoyage, on va dire. Ah, il y en a une qui va peut-être, il y en a une qui est arrivée avant. Ah, s'ils veulent rentrer, j'ai pas de problème. Par contre, ça, j'ai pas de problème. Allez, est-ce qu'on peut refermer tout ça? Allez, pousser, pousser, pousser. Je sais pas si on se fait attaquer de tous les côtés. Alors là, c'est dur sur le coup d'essayer de repousser tout ça. Allez. Vers là. Bon, les usures actuelles 40%, c'est sûr que c'est pas génial tout ça. On est en train de perdre plein d'hommes, mais bon, c'est ce qu'il faut hein. Si on veut gagner la guerre, c'est ça qu'il nous faut. Allez-y. Ok. Le Reich allemand a déclaré la guerre au Danemark. Ici, ça fait un bout que j'ai pas regardé comment ça se passe. On tient encore bien, alors ça fait plaisir. Voilà. Ce côté-là, ça va. Ce côté-là, comment ça se passe? Parce que là, j'ai pas regardé depuis un bout, lui non plus. Attaquer. Tu vois, toi, tu commences à attaquer. Vous êtes là depuis assez longtemps. Vous avez pu vous préparer. C'est bon.
Et ici, on va continuer à pousser, ce qui fait que normalement, on a récupéré quelques usines. Voilà, on a commencé à récupérer des usines, ça fait plaisir. 62 ici, c'est pas encore une tonne. Je sais pas comment voir le nombre d'usines dans la province. Non, c'est pas ça que je voulais voir. Pas ça que je voulais voir du tout. Mais pourquoi tu... Ah, pourquoi ils m'ont juste ça? Voilà. Alors là, on a récupéré quelques usines, voilà. Usines civiles, beaucoup d'usines militaires, ça fait plaisir. Par contre, on aura sûrement beaucoup de réparations à faire, voilà. Toutes les réparations passent en premier, comme d'habitude. Et ouais, malheureusement, il faut ce qu'il faut, hein. Voilà. Danemark a rejoint les alliés. Notre guerre a été fusionnée, c'est normal. Allez, on continue à pousser de ce côté-là. Ils sont où, nos tanks? Vous faites le tour. Vous poussez là. Voilà, c'est pas compliqué. Je veux juste prendre cette province. Ensuite, on va écraser 1 million d'hommes là-dedans. Allez, allez, allez. On le prend, on le prend. Allez, on écrase ce million d'hommes. Voilà, notre guerre se remélange à nouveau. Mais ils sont où les gars qui doivent passer là à chaque fois? Ils attaquent mais ils prennent pas la province au final. Très décevant tout ça. Ah, parce que là si on regarde, il y a quand même beaucoup d'unités qui sont coincées là. Mais s'ils réussissent à partir au final, ça nous donne rien. Ah voilà, ça c'est bon. Ok, donc ça c'est fait. Si on regarde les pertes maintenant, ils sont à 480 000. Ils étaient à 464 hein, tantôt. Là, on va dire 480 000. Et on va attendre de nettoyer tout ça. Ils peuvent aller nulle part. Voilà, ils vont essayer de pousser, mais ça marchera pas. Eux, on va leur dire, nouvelle ligne offensive. Vous prenez. Hop. On peut leur dire de prendre l'eau. Ok. Voilà, vous, c'est votre nouvelle ligne offensive, vous y allez. Voilà. Allez-y, amusez-vous. Tac, tac. Voilà. Vous êtes parti. Je veux qu'on prenne ça avant que les Anglais le prennent, parce que sinon ils vont nous énerver avec ça. Allez, comment ça se passe ici? Est-ce qu'on peut les nettoyer? Finissez-moi ce combat. 85%, c'est bien. Et voilà. Provision critique, moins 33 d'attaque, moins 33 de défense, l'organisation est au minimum. Ouais, c'est fini pour eux. Voilà, c'est fini pour eux là. Si je sortais de pause, ça serait bien. On va voir nos tanks commencer à avancer de ce côté. Et ensuite, c'est la victoire. Bon, c'est pas la victoire encore, hein. Il reste les Allemands à neutraliser, il reste beaucoup d'autres personnes à nettoyer. Mais de ce côté-là, ça serait déjà plutôt bien. On va commencer à envoyer quelques personnes par là. Alors, est-ce qu'on peut y arriver? Ouais, ils n'ont plus rien du tout, mais étonnamment, ils arrivent encore à se battre. Provision critique. Ah, là, ils sont en train de lâcher, ça c'est bien. Allez, on nettoie ce qui reste. S'il vous plaît, faites-moi plaisir un petit peu. Voilà. Et on continue l'offensive là-dedans. Et voilà, tout ça, ça a été nettoyé. Donc si on regarde, boum, 480 000 à 640 000. 150 000 hommes de tués. Si c'est pas beau. Ok. Donc ça, c'est bon. Et eux, on va leur dire ligne offensive. Hop. Voilà. Et allez-y, bien entendu, c'est pas le moment d'arrêter d'avancer là. On continue à pousser, plus on peut pousser, plus on va prendre d'usines militaires partout. Donc ça, ça sera parfait, mais par contre, il faut faire attention, ici c'est aussi le territoire allemand. Donc il faudra prendre ces montagnes aussi. Et ça, faudra faire attention, au moins comme ça on va se rejoindre sur ce front et ça sera bien. Oh, Belgique et Pays-Bas ont réapparu par un petit débarquement anglais et là... Il y a des troupes qui essayent de réapparaître. Bon, vous allez là. Ah, ils essayent de pousser hein, là. Donc sur le coup, s'ils essayent de pousser comme ça, moi j'ai pas le goût qu'ils poussent. Nos divisions d'infanterie, elles sont encore bleues malheureusement. Mais on va les faire sortir. Voilà, de toute façon, elles sont bientôt passées au prochain niveau. Voilà.
Ça fait peut-être pas assez longtemps qu'ils sont là, mais au cas où, on va dire mode d'affectation. Voilà. Ok, parfait. Pourquoi vous, vous ne vous déplacez pas? Voilà. Allez m'attaquer ça. Là, il faut quand même réussir à... Ah voilà, 83, ils n'avaient pas rejoint le mouvement. Donc là, on va leur dire ça. Et normalement, voilà. Là, ils ont se séparé un peu partout. Ici, on est en train de repousser ceux qui restent. Voilà. Encore beaucoup de forces italiennes, très peu de nazis dans cette zone là, donc ça c'est tant mieux. Construction, production, ici je veux voir où on est rendu ma police militaire, hop, vous sortez, on ne veut plus vous voir. Donc ça c'est bon, comme ça ils vont être déployés direct, normalement. Voilà. Ils s'en vont direct en bateau, garder un peu partout, et ça, ça fait plaisir. Ok. Demande, les Pays-Bas veulent nous envoyer 4 corps expéditionnaires, pourquoi pas. Ils sont où? Je sais pas trop. Peut-être qu'ils sont déjà avec nous. Hein. Je sais pas trop en tout cas. Ici, on continue le combat. Vous allez me... là, vous êtes plein. Vous me poussez ici. Vous me tuez, ces salauds. Ils ont essayé de pousser. On les renvoie en enfer. Voilà. Et toi, t'attaques ici, comme ça. Si on peut les coincer, ça ferait plaisir. Beaucoup d'avions nazis, mais là c'est bon. Ici on a réussi à repousser tranquillement. Voilà. Pousser dans cette zone. Pousser ici. Ici il faut réussir à pousser. Alors, où sont nos gars? Allez, pousser vers Venise. On veut prendre Venise avant les Anglais. Voilà, tout simplement, hein, c'est juste ça. Avoir un petit peu plus de points de victoire. Pour l'instant, les Anglais font 47%. Nous, on est rendu à 35%. Tranquillement, on remonte. Nos pertes aussi, elles montent, hein, d'ailleurs. Finlande a capitulé, ok. Mais voilà, tranquillement, on fait le nettoyage partout. Faut dire, on a tué énormément d'Italiens sur ce coup-là. Quelques... Voilà, là, on commence à voir le Reich allemand qui apparaît. Qui pointe le bout de son nez. Donc il va falloir se préparer. Se préparer pour la suite du combat. Ici, comment ça se passe? Ici, ça se passe. On va supposer que c'est correct. Hein. Ils sont en train d'essayer de pousser. Non, non, ils ne poussent pas. Je suis bête. Je suis bête, ils ne poussent pas. Ah, ils ont... Pour finir, ils ont laissé tomber notre zone. Voilà, ben, attaquez. Hein. Voilà, allez-y. Attaquez-moi ça, il y a de toute façon plus d'ennemis de ce côté-là. Voilà, on est rendu 83. Étonnamment, on perd sur plusieurs points. J'ai l'impression que les unités étaient un peu éparpillées. Alors ça n'a pas marché pendant quelques secondes. De ce côté-là, on continue à essayer de repousser, juste aller jusqu'à Venise, prendre le petit bout de territoire qui reste, ça ferait plaisir. Modifier le gouvernement. Ah, il faudra demander plus d'hommes. Voilà. Mobilisation générale. Je pense qu'on va le faire. Ouais. Mobilisation générale. Hop, on repasse à 3 millions d'hommes. Ça, ça fait plaisir. Donc, on peut continuer à recruter. Malheureusement, on va produire un petit peu moins dans les usines. C'est dommage. Mais il fallait le faire. Je me demande aussi pour les recherches. Les recherches commencent à être longues, je trouve. Bientôt, on pourra encore augmenter notre chaîne de montage. Alors ça, ça sera bon. Pour l'instant, on peut pas trop. Les États-Unis veulent nous envoyer une division volontaire. C'est rien du tout. Elle arrive. Mais on va se le dire, c'est pas grand chose. 34%, 50%. Hop. Si on peut continuer à pousser de ce côté-là, juste à nettoyer les petits restes un petit peu partout. Franchement, Venise a l'air bien dur à prendre. Donc on a l'air de gagner. Ok, donc ça c'est bon. Énormément d'Allemands qui arrivent de ce côté. Est-ce qu'on pourrait pousser avec toi? Je suis pas sûr qu'on pourrait pousser avec eux. On arrive encore à tenir, mais ça fait énormément de soldats à tenir. Pour essayer, mais bon. On pourrait essayer. De ce côté-là, on est en train de nettoyer toutes les forces qui restent. Reprendre tout ça, ça c'est bon. Il y a un petit peu de combat par-ci par-là, mais ils ont plus de ravitaillement, je pense.
Donc là encore ça va faire mal. Ici les dernières petites poches de résistance encore de leur part. Voilà, Italie, on peut voir, ils sont 30% proches de capituler, ils ont perdu énormément d'hommes. Ils sont plus trop sûrs de vouloir continuer à se battre. Non, non, nous aussi on a perdu beaucoup d'hommes d'ailleurs, mais moins que. Au final, quand même pas mal moins que. Là on va pouvoir prendre Venise. Voilà, on pourra faire des belles petites photos. Et ensuite, je sais pas trop où on va continuer à pousser. Voilà, l'assassinat de Léon Trotsky, ancien premier lieutenant et successeur légitime de Vladimir Ilitch Lénine, est mort aujourd'hui dans un hôpital de Mexico. Voilà. Voilà. Bon, barbare. Voilà. Que peut-on dire de plus? On va garder ces points terrestres pour dans quelques jours. Bah, quelques jours. Pour l'année prochaine, quand on pourra faire le prochain tank. Comme ça on aura un meilleur tank qu'on pourra améliorer, voilà, puisqu'on peut booster les tanks avec les points comme ça d'expérience. Ce que j'ai pas encore vraiment fait, on pourrait le faire aussi avec les points aériens et tout ça, mais je n'ai jamais encore décidé de le faire. Voilà, là on commence à pousser. Tiens, pourquoi pas. On va commencer à pousser. Je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir tenir très longtemps. Aucune priorité. Tatata. Yougoslovaquie. Est-ce que la Yougoslovaquie est encore là d'ailleurs? Oui, elle est encore là. C'est quoi, on va essayer de l'inviter. Ça me ferait plaisir qu'elle vienne. Voilà. On va voir. Hein. Si ça se trouve, ça va marcher. Ce serait bien gentil d'ailleurs. Ici, ils sont énormément d'unités en train d'essayer de tenir sur ce point-là. Donc on va continuer. Si on peut la prendre, ça serait fantastique. Voilà, il reste quelques tanks qui résistent, mais le reste des unités ont l'air de s'enfuir. Au final, c'est des unités allemandes et hongroises qui tiennent la ville. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, c'est qui est avec nous? Je pense que c'est la Roumanie. Peut-être pas. C'est qui ici? L'Union soviétique qui est en plein milieu. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Il va se faire coincer plein de troupes. Ça va faire mal. Dommage pour lui. Hein. Dommage pour lui. Bon, voilà. Ici, on a réussi à sécuriser le front. On continue à pousser donc sur le coup. Si on peut continuer à agrandir notre front, voilà, il reste tout ça à prendre encore. Ensuite on aura un front contre l'Allemagne de ce côté là. De ce côté, étonnamment, on réussit à pousser un petit peu, tant mieux. C'est Luxembourg, oui. Comme ça on pourra libérer le Luxembourg. Pousser, pousser, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Voilà, ça c'est bon. Continue à pousser un peu partout. Je pense qu'on va pouvoir libérer assez vite ici et se remettre dans le Nord Pas-de-Calais. Elles sont où? Elles sont où ces divisions? Je sais pas trop. Ici c'est quoi qu'on a? Des brigades coloniales. Voilà. On les envoie là-bas. Faites ce que vous voulez. De ce côté-là, on continue à essayer de pousser. Ça devient assez long à pousser là. Ça sera pas vraiment facile. En plus on n'a pas vraiment d'avion proche de ce point rendu là. Ici on pousse encore, c'est bien, on réussit à pousser, parfait. Bon, ça c'est bien, ça je pense que c'est très bien. Si on pouvait juste de ce côté là sur la ligne offensive, voilà, on a réussi. Je voulais le rajouter dans la ligne offensive, mais on a réussi à le prendre. Et maintenant il faut juste réussir à, voilà, continuer à pousser ici et ça sera parfait. Voilà. Voilà, comme ça c'est bon. Si on continue à vraiment pousser sur tous les fronts, de toute façon tout ça, voilà, il faut. C'est des alliés. Ensuite, maintenant, je pense pas qu'on puisse leur envoyer des. Quoi que ce soit. Voilà. Ah mais il nous en manque 17 000. Ah oui quand même. C'est, il en manque un petit peu, on va dire. Là, toutes nos usines militaires sont utilisées partout. Ça fait bien mal donc tout ça. Chasseur lourd. Pourquoi est-ce qu'on en a perdu autant? Pourquoi il y a si peu d'usines qui travaillent ici? Bombardier tactique, infanterie motorisée, ça je suis obligé de supprimer, supprimer, hop, on supprime ici. Il faut plus de armes légères, voilà, on va les mettre en haut avec ça. Et on va lui mettre, voilà, toutes les usines qui peuvent être ajoutées vont aller ici, voilà. Désolé, mais là c'est comme ça. L'unité en Afrique qui doit faire les garnisons. On va lui rajouter ça ici à protéger. Voilà.
Ça c'est parfait et on peut comme ça retourner ici. Ok. Donc est-ce que le combat continue de ce côté-là? Oui. Très lentement, j'ai l'impression. Je pense qu'on... à mon avis, là, je pense qu'on devrait dire qu'on arrête de pousser, mais je vais prendre Venise, c'est ça le problème. Donc on va continuer à perdre beaucoup d'hommes tant que Venise n'est pas... ne tombe pas. Voilà, malheureusement, là, on prend Venise. Alors, en plus, ça leur donne encore énormément de renforts de matériel de ce côté-là. Donc on peut pas le laisser arriver. Ici, on continue à pousser, c'est bien. Voilà. Au fur et à mesure qu'on va pousser de ce côté, ces unités vont pouvoir légèrement avancer. Ok. Donc ça, c'est bon. Les Pays-Bas, ok, en plein milieu ici. Ok, ils sont là, pourquoi pas. On avance, on avance. Disons que l'Angleterre a quand même bien fait son travail. Belle petite invasion ici, ça a bien aidé. Et nous, on est en train de tout ramasser, ce qui reste de ce côté-là. Voilà. Est-ce qu'ils attaquent encore, d'ailleurs? Ouais, ils continuent à attaquer, parce que là, il y a un petit peu plus de résistance. Alors, c'est un petit peu plus long. Mais je pense que c'est quand même très bon. Ici, on peut voir. Les combats font encore rage, mais on réussit à pousser, en général. Allez, 96%, on est capable. Là, ils ont plein de bonus. On a plein de bonus. Défense rapprochée. Tempête rapprochée, ok. Ouais, mais lui il est bon pour l'offensive et la défensive. Voilà, donc ça c'est bon, on continue à pousser. 99, on va le prendre. Allez, on va le prendre, c'est parfait. Voilà, on a pris Venise, ça c'est bon. Maintenant ils vont tranquillement commencer à manquer de renfort et le reste on devrait être capable de le gérer plutôt facilement. On va leur dire stop. Ah, ça sert plus à rien de pousser là, on va leur laisser le temps de recommencer à prendre équipement. Est-ce qu'ils ont plus d'équipement? On va se le dire là, si on regarde les combats, je suis sûr que nous, eux aussi d'ailleurs, provisions critiques, mais voilà. Certaines de nos unités commencent à avoir des provisions critiques aussi, donc je pense pas que c'est très bon. S'ils veulent continuer à attaquer et à perdre leurs provisions, qu'ils y aillent, nous on va pas le faire. Voilà. Je veux pas voir nos unités le faire. Petite division américaine ici. Première hein, qui est arrivée, bien en retard, ouais, et en retard non, avant qu'ils envoient normalement, mais pas grave. Voilà, là on contrôle 13 divisions de plus, voilà, hop, 96, et on dirait 96 divisions, c'est pas mal tout ça, de ce côté là, donc on va pouvoir continuer à pousser. Essayer de voilà, sécuriser tout ce front ici. Peut-être si on peut même aller sauver ceux-là. Quoique eux, ils vont se faire massacrer. Ils ont trop poussé. Ils se sont fait parachuter. Ça marchera pas malheureusement. Mais voilà, on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié comme toujours. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.